et que je sens que je ne voyagerai plus autant. Alors il faut. Mais tout compte fait, les voyages, c'est, je pense que c'est quelque chose de fantastique. Ah, ça oui, hein. Et j'ai eu la chance de voyager justement dans des coins qui me plaisent et découvrir des choses merveilleuses. Oui, parce que les Caraïbes, c'est beau ça. C'est beau, les c'est beau. Les bungalows et tout ça, c'est formidable. Oui, les Caraïbes, c'est magnifique. Ça a été un petit tournant dans ma vie au niveau de la découverte des frères qui sont là-bas. Mm-hmm. Bon, à côté de ça, bon, ben, j'aime autant quelque chose de complètement opposé. Mm-hmm. J'aime bien le pays Dogon au Mali. Mm-hmm. J'aime le Nord Cameroun. Il y a plein de choses. Pourquoi la mer n'est pas plus en plus? J'ai entendu parler du bateau, lac en bateau, je sais pas. Oui, effectivement, il y a un an, nous avons pas fait que du bateau, nous avons fait un trajet très très long. Non, c'est quand même vrai. Ah oui, bien sûr. Ah. Nous sommes partis, Yannick et moi, dans son bateau de Saint-Tropez. Mm-hmm. De Saint-Tropez, toute la côte française en sud et puis jusqu'en Espagne, oui. C'est pas que tout ça, ça c'est le début du voyage. Ah. Parce que tout le voyage nous a pris 3 mois. Et des îles Canaries, nous avons fait alors ce qu'on appelle vraiment la traversée de l'Atlantique, c'est-à-dire des îles Canaries jusqu'à Trinidad et Tobago. Mm, C'est donc une traversée qui dure 14 jours. Et après, nous avons continué par les Grenadines, jusqu'à la Jamaïque. Alors Zachary, je sais que tu aimes bien cet endroit, mais est-ce qu'on peut aller de reprendre un peu d'air? Bien sûr. Un peu. Ça fait longtemps qu'on va avoir de l'air, bon ben c'est vrai, hein? Il fait beau dehors. On va en profiter. Hop là! Ok. Mais c'est bizarre ces photos sur les murs. Zachary. Ah oui, c'est ça. Je connais ce visage. J'ai oublié de vous parler un tout petit peu de mon décor. Ben, c'est la pièce de mes enfants, puis mes gendres, puis bon, c'est Yannick qui a été sa femme. C'est une photo de toi, là. Ben, oui. À chaque fois. Exceptionnellement, c'est moi, parce que je n'affiche jamais mes photos, je suis jamais en photo dans mes pièces. Alors, exceptionnellement, je suis le père de famille, là, alors je domine, c'est là où je me sens le plus mal. J'avais un style américain. Ça, c'est la croix que mon Seigneur Vogt a donnée à mon père, et qui m'est revenue, et je tiens beaucoup à ça aussi. Voilà. Bon, je pense qu'on peut aller dehors, hein? Oui. On t'a passé une bonne... Ah oui, sublime. Alors Zach, c'est quoi tes activités ici dans le club? Ben, comme activité ici, je ne perds pas mon temps. Mm-hmm. Je jardine. Mm-hmm. Je m'occupe du jardin tout le temps. Parce qu'une propriété comme ça, on croit que bon, ben, ça pousse seul. Mais c'est un travail de tous les jours. Il faut pulvériser les plantes parce qu'il y a des bêtes. Bon, j'élève les poulets. J'ai substitué le squash à un poulailler. Et puis, mm-hmm. bon, mais maintenant, c'est des abeilles que j'ai des essaims d'abeilles. Et puis, bon, je fais du miel. Le golf, c'est le prolongement de ma propriété ici. Mm-hmm. J'aime la liberté, j'aime le calme et je trouve toujours ce que j'aime chez moi ici au golf. Alors, j'ai foncé tête baissée. Mm-hmm. C'est pour cela que je joue au golf. Attention. Mmh. Bon, tape fort. Je veux dire, donc, quelle pêche. Ok. Tu as une réputation de gros succès avec les femmes. Pourquoi? Ben non, oh, ça c'est des choses qu'on dit. Hein, mais... C'est-à-dire que peut-être que j'ai beaucoup d'affinités avec les femmes, par exemple avec ma maman. Mm-hmm. Maman m'aime beaucoup et puis bon, ben, j'ai beaucoup appris avec ma maman. Mm-hmm.
Et bon, par ricochet avec mes filles. Je suis toujours avec mes filles, je suis toujours entouré de femmes. Je pense que ce que les femmes m'apportent est un complément de ce que je suis, c'est-à-dire homme. Or, les hommes ne peuvent pas m'apporter ça. Je reçois beaucoup de bonnes choses des femmes. Et puis, que je sais, je ne peux pas avoir des hommes. Ce qui compte dans la vie, c'est l'amour des uns et des autres. C'est fantastique quand on s'aime bien, quand on va quelque part et vous savez que les gens vous aiment bien. Zachary, je te dis merci de nous avoir reçus chez toi. Pour l'émission, c'était très sympathique. Je te fais la bise. Et on se revoit. On se revoit sûrement. À bientôt. Bientôt. Alors, je vous dis au revoir et à la prochaine de Gros Plan. Soyez toujours fidèles à nous et à très bientôt, les amours. Encore merci et bravo, Zachary Noah. Tu gagnes un séjour d'une semaine aux Antilles. Gros Plan, c'est fini. Vous pouvez zapper, les amours.